c'est Quentin. Il y a quelques jours, j'étais tout content de vous présenter mon nouveau matos pour la vidéo. Je vous ai avoué que je filmais tout à l'iPhone et je déballais le nouveau stabilisateur de chez DJI, l'Osmo Mobile 4. Mais je dois vous dire quelque chose. 4 jours après l'avoir déballé, je l'ai remballé et renvoyé. Et oui, il m'aura fallu moins d'une semaine pour me rendre compte que ce stabilisateur n'était pas destiné à mon utilisation avec mon nouvel iPhone 12 Pro. C'était avant tout un problème mécanique, entre guillemets. Les nouveaux iPhone 12 sont faits d'un contour plat. Il n'est plus arrondi comme il l'était depuis l'iPhone 6. Il est en quelque sorte carré. Mais il n'était pas plus épais. Il avait la même épaisseur, simplement les bords étaient plats. Et quand je l'ai déballé, ce vendredi matin-là, je n'avais pas encore la coque. C'est-à-dire que j'avais juste le téléphone, qui avait donc la même épaisseur environ que l'iPhone précédent. Et j'ai directement voulu voir si l'iPhone passait dans l'accroche qui était vendue avec le stabilisateur. En soi, ça passait. L'accroche est clairement faite pour des téléphones arrondis, comme l'étaient les derniers iPhones avant l'iPhone 12. Mais on pouvait voir que c'était quand même limite. J'ai donc quand même pu filmer, comme vous avez sûrement pu le voir dans ma vidéo de test de l'iPhone 12. Mais quelques jours après, j'ai reçu la coque que j'avais achetée pour mon iPhone 12 Pro. Et pour certaines raisons que je n'expliquerai pas dans cette vidéo, j'ai choisi d'acheter la coque transparente d'Apple, la Clear Case. Elle se montre très bien sur mon iPhone 12 Pro, le protège parfaitement, mais ne passe plus sur l'accroche du stabilisateur. Et oui, la coque est un peu plus épaisse que le téléphone, elle le protège un peu sur l'avant et un peu sur l'arrière, ce qui fait qu'elle est trop large finalement pour l'accroche qui a été vendue avec le stabilisateur. Donc voilà la raison principale pour laquelle je l'ai renvoyé. Mais après réflexion, je me suis rendu compte d'autre chose. En plus d'avoir ce problème mécanique, je me suis rendu compte que ce stabilisateur, il n'était pas aussi qualitatif que l'était la première génération que je possédais juste avant. Certes, il est moins cher, il est 2 fois moins cher que la première génération. Mais les matériaux sont plus cheap, on a du plastique principalement de partout, il est beaucoup plus léger et supporte beaucoup moins les téléphones. Et cela a un impact immédiat lorsqu'on filme. Dans ma vidéo de test de l'iPhone 12, ça va, c'est quand même assez stable. Mais je me suis senti obligé de mentionner à la fin de la vidéo que j'avais ajouté une retouche de stabilisation. En effet, la majorité des plans ont nécessité ce réglage, car non, la stabilisation n'était pas très bonne. Dès que le mouvement est un peu rapide, que ce soit de face ou de côté avec ce stabilisateur, la vidéo tremble. Je peux vous certifier que j'avais calibré au mieux mon iPhone sur ce stabilisateur, c'est-à-dire qu'avant même de l'allumer, l'iPhone était relativement stable sur le stabilisateur. Mais malgré tout, ces nouvelles générations sont beaucoup moins adaptées. Je ne pense pas que ce soit la technologie qui manque à DJI, mais ils ont choisi de drastiquement diminuer le prix. Aujourd'hui, on peut retrouver l'Osmo Mobile 3 ou 4 aux alentours de 100-150 €, mais ça a un impact direct sur la qualité du produit. Je vous propose d'analyser 2-3 plans de mon test de l'iPhone 12 Pro. Vous allez voir, cette fois-ci, c'est sans aucune retouche. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Là, sur ce plan, c'était un travelling de côté. C'est-à-dire que je marchais droit, je tenais le stabilisateur et je me déplaçais. Et bah, c'est bancal. Là ici le spinshot, pareil, ça tremble. Alors certes dans la vidéo, en général tous mes plans étaient accélérés, c'est un peu mon style de montage. Et quand c'est accéléré, on s'en rend moins compte. Une vidéo un peu tremblante, une fois accélérée à 2000%, on s'en rend quand même pas trop compte si le mouvement est fluide. Mais je peux vous dire qu'à la vitesse par défaut, 100%, ça se voit. Regardez ce plan, c'est catastrophique. Tous les plans présentent le même problème. Et encore une fois, j'avais bien calibré le stabilisateur juste avant. Bref, tout ça a fait que je l'ai renvoyé. Je n'en avais absolument aucune utilité. Par contre, je suis quelqu'un qui filme qu'à l'iPhone. Il a bien fallu que je m'équipe autrement. Certes, on me l'a dit en commentaire, l'iPhone a déjà une excellente stabilisation. Et là-dessus, il n'y a rien à redire. Simplement, un stabilisateur peut apporter une dimension artistique à la vidéo. On peut faire des mouvements qu'on ne pourrait pas reproduire exactement à la main. Et après de nombreuses recherches, j'ai trouvé le stabilisateur qui me correspondait. Le Zhiyun Crane M2. Alors cette vidéo n'est pas un unboxing, je vais simplement vous montrer à quoi il ressemble. Et non, je ne suis absolument pas sponsorisé par la marque pour dire ça. Simplement, je trouve que c'est exactement le stabilisateur qu'il me fallait. Donc il ressemble à ça. Il est quasiment aussi lourd et aussi grand que le stabilisateur que j'avais chez DJI. Il possède un petit écran et une très grande batterie. Mais je vais vous dire rapidement pourquoi je l'ai choisi lui. Filmer avec un iPhone, ça représente mon quotidien. C'est pourquoi je n'ai pas voulu me bloquer par le prix. Je vous le dis tout de suite, ce stabilisateur coûte plus cher que l'Osmo Mobile 4. Le jour où je l'ai acheté, il était à 220 € sur Amazon. Ce que je recherchais, c'était un stabilisateur solide, du moins qui avait cette partie-là, la tête, qui était en aluminium. Ce que le DJI Osmo Mobile 2, 3 et 4 n'ont plus.
Cela permet d'être plus résistant face aux conditions extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a un peu de vent, un mouvement un peu rapide, et puis on sent que ça va tenir. Pour tout vous dire, c'est le troisième stabilisateur que j'ai. En 2016, j'ai eu mon premier stabilisateur, le Zhiyun Smooth C. Déjà de Zhiyun, mais peut-être 6 mois après l'avoir eu, j'ai eu un petit problème avec. À l'époque, c'était des batteries amovibles, c'est-à-dire qu'on les glissait dedans, puis il y avait une vis pour refermer le tube. Et entre 2 journées de tournage, cette vis était restée bloquée. Et je peux vous promettre qu'il était impossible à débloquer. J'ai essayé par tous les moyens, impossible. Donc pour faire simple, il fonctionnait très bien, mais je ne pouvais plus le recharger. Les batteries étaient coincées dedans, et une fois que les batteries étaient vides, bah, je ne pouvais plus l'ouvrir. C'est donc à l'été 2017 que j'ai eu mon premier stabilisateur de chez DJI, l'Osmo Mobile 1 à l'époque, c'était la seule version qui existait, et j'en étais très content. Les fonctionnalités que proposait DJI sur son application à l'époque étaient à la hauteur de ce que présentaient les autres stabilisateurs sur le marché, et il était très résistant. Je l'ai emmené avec moi 2 saisons au ski. Et cet été 2020, j'ai aussi eu un problème d'accroche. C'était aussi un système de vis à l'époque, et la vis s'est mise à tourner dans le vide. Donc l'écartement était bloqué, je ne pouvais plus coincer mon téléphone. La suite, vous la connaissez, avec l'arrivée de mon nouvel iPhone, je me suis dit que j'allais aussi changer de stabilisateur. Et puis de nos jours, de nouvelles fonctionnalités apparaissaient sur les applications de DJI. Mais voilà, vous avez compris le problème. Donc je me suis retrouvé avec plusieurs années d'expérience avec un stabilisateur, mais des stabilisateurs pas très fiables, qui filmaient plus ou moins des vidéos stabilisées. C'est pourquoi je me suis orienté vers ce modèle, donc le Zhiyun Crane M2. C'est un stabilisateur relativement multicam, on peut y accrocher des GoPro, des smartphones et des caméras, en dessous de 700 grammes il me semble à vérifier. Mais avant tout, c'est un stabilisateur relativement compliqué à mettre en place. C'est pas juste on glisse le téléphone dessus et hop ça marche. Il y a tout un tas de réglages à faire avant d'avoir une bonne stabilisation. Donc je le déconseille en premier stabilisateur, mais bon, moi avec le temps j'ai commencé à bien apprendre à gérer tout ça. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que je m'en sortais très bien. Ce qu'il faut de toute façon, c'est de l'entraînement. Je l'ai déballé et remballé environ 5-6 fois avant de savoir quel réglage j'avais besoin pour mon iPhone 12 Pro. Bref, et tous les atouts de ce stabilisateur m'ont permis de voir que le stabilisateur de chez DJI était à la ramasse derrière celui-ci. Je suis retourné à l'endroit où j'avais fait mes plans pour ma vidéo de test de l'iPhone 12 Pro, et c'est le jour et la nuit. J'ai vraiment pu m'amuser avec ce stabilisateur et être totalement satisfait du résultat. On remarque seulement très peu, voire aucun tremblement, que ce soit sur un travelling de face comme sur un travelling de côté, ce qui donne un tout très satisfaisant. À titre de comparaison, j'avais fait ce plan avec le stabilisateur de chez DJI, où je courais en ligne droite. Ça tremble. J'ai fait le même test avec mon nouveau stabilisateur et y a rien à dire. C'est exactement ce que j'entendais par test extrême. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand je vais filmer, je vais pas forcément courir, je vais marcher vite à la limite. Mais là, je me suis rendu compte que même en courant, le plan était totalement exploitable. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je tenais quand même à vous mettre au courant sur mes petites modifications de mon matos vidéo. Et puis, je vous laisse avec quelques plans bien sympathiques que j'ai pu faire avec le Zhiyun Crane M2. Allez, salut, c'était Corentin.